bienvenue, welcome to the club. Si la seule chose que tu connais c'est la gamme pentatonique mineure, voici Seductive Bluesy Funk B Minor en temps si mineur. Et là je vais commencer par, dans la vidéo de la semaine dernière que je viens de filmer, ça fait 6 secondes, je voulais vous montrer un truc pour quand ça va vite. Okay, on a changé de tonalité mais ça fonctionne quand même en B mineur, 7e fret juste ici, right? La gamme normale, on connaît bien. Qu'est-ce que ça fait? Je vais faire une démonstration. On va faire. Alors, quand on l'entend, ça fait. Ça fait plein de notes. Comment qu'on fait ça? Le truc, c'est des pull-offs. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français des pull-offs, mais ça s'appelle des pull-offs. Quand on tire avec le doigt sur une note. C'est-à-dire, je joue une note et je tire avec le doigt pour laisser la corde ouverte. Dans ce cas-ci, je vais donner un coup de pique, un pull-off et un pull-off. 2 pull-offs de suite. Et je change de corde. Et je reviens sur place. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pull off, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Je répète le pattern en changeant de corde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je répète. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au ralenti, ça sonne mal puisque certaines notes que les cordes ouvertes qui ne sont pas tout à fait aligné avec la tonalité, mais à haute vitesse, ça passe bien. Et là, je vais faire un exercice. Parce que vous connaissez votre gamme pentatonique dans les 5 positions, sinon c'est gratuit sur ma chaîne. Comment ça se trouve partout? C'est gratuit partout, 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 partout! Sur toutes les Google Images, il y a au moins 150 personnes qui l'enseignent en français pour bien comprendre. Prenons B mineur, puis passons cet exercice-là à travers le même pattern, c'est-à-dire qu'on va venir ici, on va prendre cette gamme-là. OK. Là, on vient ici. Juste la gamme pentatonique de base. On va faire juste ces trois-là. Avec le pattern. Ça va sonner comme ceci. Quelqu'un qui vous entend faire ça, il se dit « Waouh, wow, c'est quoi cette gamme exotique-là? C'est compliqué, est-ce qu'il fait un doigté unique? C'est quoi ce son-là? » Ben non, moi puis toi on le sait. Tu fais seulement, pour ton mind, pour ta visualisation guitaristique, tu fais seulement ta gamme pentatonique de base que tu connais déjà. Pour ton si mineur ici, ton B mineur. Mais tu rajoutes le pattern, regarde. Pull, pull, pull. Change de corde, reviens. Mais là, la twist devient garder le pattern quand on change de doigté. C'est-à-dire que quand on va sur la prochaine corde, si ça fait... On change de doigté. Si on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... OK? Là, c'est un bel exercice. Maintenant, comment on fait pour ajouter un petit peu de magie et d'imprévisibilité? que je viens de faire qui étaient très paisibles, prévisibles. Mais il y en a certaines qui étaient, hein, c'est un peu bizarre ça. Je m'attendais pas à ça, c'est un peu bizarre. C'est presque une des façons simples pour commencer, c'est de faire exprès pour faire ce qu'on appelle en anglais fill in the blanks. En passant, désolé si j'ai manqué quelques semaines ici, c'est parce que j'enseigne aussi moi en anglais. Comme là, j'enseigne aux musiciens francophones comment arrêter d'avoir l'air gêné, encabané, puis renfermé sur scène avec mon cours Vaincre la peur de jouer en public en 6 semaines. Mais j'enseigne aussi en anglais aux gens d'affaires comment vendre et être à l'aise à la caméra ou sur scène. Fait que ça me prend beaucoup de mon temps en ce moment, donc c'est pour ça que j'ai manqué quelques semaines. Mais quand on parle de fill in the blank, c'est-à-dire tu sais que tu as 2 notes, ça c'est une bonne note, c'est une bonne note. Entre les deux, tu as plein de notes que tu sais que ce sont des mauvaises notes. Joue avec. Dans un contexte comme ça, ici pour se pratiquer, le pire qui peut arriver, c'est que s'il y a un virus, puis ça soit la fin du monde. Fait que là, il n'y a pas de danger. Et chez vous, expérimente à remplir les notes en tes gammes. On va prendre B mineur pentatonique, on va remplir en tes notes. On a ici. Hein? On va les remplir. Oh! Qui nous amène à un contexte, un concept. Écoute ça. Ok, là, je commence à avoir du fun, j'ai arrêté parce que là, il faut que je garde ça. Je fais ça pour vous, hein? Pas trop que je m'amuse. Si on répète. Mais là, ça devient prévisible. Donc, on crée une tension extraordinaire, bizarre ou weird, mais en la répétant, en faisant un effet miroir de la même chose, ça devient. Ben, c'est ça que je voulais faire, c'était prévisible, et c'est comme ça qu'on prend des mauvaises notes et on les rend bonnes. Parce qu'avoue que quand j'ai fait la deuxième fois, il était satisfaisant. Et voilà, c'est comme ça que tu fais. Puis là, ce que je faisais, c'est même, il y a le traitement des notes. La deuxième fois, quand j'ai fait ceci, celle-là ici, je l'approchais par un bend. Des bends d'index, les amis, il n'y a pas beaucoup de guitaristes qui font ça. Ben, pas beaucoup de guitaristes débutants. 2 erreurs communes avec la pentatonique de tous les débutants. Il n'y a aucun bend avec l'index. Et on joue toujours d'une case à l'autre. C'est-à-dire comme ceci, comme ça. On va toujours faire ceci. Un débutant. Ça sonne un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun mouvement dans ce sens-là sur 2 cordes ou 3 adjacentes. Mais là, c'était un mauvais exemple. J'essaie de faire quelque chose, mais... Je vais essayer d'un meilleur exemple. Juste le petit... Il était satisfaisant, lui. Ben, pour monter... C'est la même pentatonique. J'ai pris 2 notes consécutives. Mais en changeant de corde sur la même frette. Ça fait très cool. Puis juste un petit... Rouler le doigt sur la même frette, ça c'est quelque chose qu'on développe absolument plus tard. On commence à le développer tout de suite. Et des bends d'index. Voici comment faire un bend d'index. C'est pas les mêmes muscles. Ici, on va prendre le muscle, le bras qui tourne. Ah, la chanson est finie. Expérimente avec le doigt de l'index qui bend, mais je te dis que ce n'est pas la partie extérieure du muscle ici qui lève comme cela. La main lève au complet encore, mais c'est un peu différent. Tu vas sentir que l'angle n'est pas pareil. Et tu veux que le doigt devienne un vecteur de force du bras, du poignet et de la main et de la torsion. Et non pas forcer avec ton les muscles ici qui lèvent ton doigt comme cela. Keep on rocking in the free world. À bientôt.